j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui au Groupama Stadium pour le choc de la poule C, Pays de Galles, Australie. C'est le premier match de notre diptyque, voire triptyque, dans un Groupama Stadium annoncé ce soir à guichet fermé. 55 000 spectateurs pour nez avec Patou ce soir. La team José sera bien évidemment neutre. Belle fête du rugby en perspective. On a pu apercevoir dans les travées des Anglais, des Australiens, des Argentins, des Français, des Gallois, un peu tout. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. On se retrouve les amis pour les meilleurs moments de la rencontre. A tout de suite. Six of the Pepe Joe, this year, Lauren Gatlon.
l'Australie et le pays de Galles. Ladies and gentlemen, you know what this is your rainbow. Please stand for the national anthems of Australia and then Wales. Patou, Galles ou Australie? Galles. Galles? Bonus ou pas bonus? Non. Serré alors. Comme prévu, t'as dit Gal. Au revoir. Oh là là, il prend une bonne cale, l'autre, Eddie Jones. Et ça passe entre les terres. Allez, première mêlée du match. 12 minutes de jeu.
Bizarre cette mêlée, non? Ouais. Merci. D'accord avec l'arbitre. Vous pensez avec quoi? C'est plutôt l'Australien? Bon, je pense qu'il y a plutôt faute que l'Australien. On reprend l'autre côté. Et ça passe entre les pieds. Pas tout le marabout. Oui, mais il a même vu son ballon. Il n'est pas un ballon comme ça. Mais non, mais ouais, il faut qu'il remonte un peu. Il était tout tordu, là. Il a dû toucher. Là aussi. Bon, pas tout, 24 minutes, alors t'en penses quoi? C'est ah, beau. Là. J'ai déjà 10 points d'avance, c'est bien. Et, nous, et les Australiens, ils font pas un peu n'importe quoi. Oh, tu le veux le 8 Australien au loup? Bon, j'espère, président, vous avez entendu. Hein. Faut recruter. Il a raté les deux alors? Non, il en a raté une, donc ça faisait près 6. Fatou qui vient de se rendre compte qu'il s'est trompé. Ouais, il n'y a que 4 points d'avance. Bon. Bientôt 7. Logiquement. Et ça passe entre les pieds. Bataillon, marchons, marchons, tiens ça un mur, après, aussi en bataillon. Et ça passe entre les pieds. Oh putain, laisse ça sortir. Laisse ton général. Bon, pas tout, laisse ton général sur la mêlée. Ça existe plus. Bah, c'est ça normalement quand tu l'envoies en touche. On lève la mêlée, on met les patates. Là, il s'est raté. Ah merde, on voulait voir la baston. Tu vois, ils le font ou quoi dans les petites divisions, ça? Ouais. Lié. Je. Yeah. Ouais, complètement brillé là. Oh, pas tout, c'est la mi-temps, 16 à 6. Logique ou pas? Bah ouais, logique. Il n'y a rien à voir plus. Ah, la dernière occasion. Bah oui. Mais les Australiens, ils laissent beaucoup d'espace hein, derrière. Ouais, c'est la mi-temps ici à dessiner 16 à 6 pour le 15. Wow, on passe au bol, la pire. Bon, là, ce bon mi-temps, à tout de suite. Purified feet from desire. Je dirais à Freddy et son pote Barnes se fait siffler l'arbitre. Sûrement. Hein? Sûrement. Et ça passe entre les pieds.
Bon, Patou, t'aimes bien cette Coupe du Monde? Ouais. C'est un bon moment, la belle fête du rugby. Tout mélangé comme ça, c'est mieux que les crons du foot. Bah, en gros, c'est pas de bagarre. C'est drôle. Ils prennent de la graine, les mecs du foot. C'est des voyous, les joueurs. Bah, comme dit l'expression, le rugby, c'est un sport voyou joué par des gentlemen, et le football, c'est un sport gentlemen joué par des voyous. Allez. L'Australie à la maison. Ciao Eddie Jones à la maison. Est-ce qu'elle l'aurait pas eu? C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Et ça passe entre les perches. Et ça passe entre les perches. Et ça passe entre les perches. Bon, 32-6. Fini. Bon, maintenant, on se concentre sur le bonus pour le Pays de Galles, non? Ah, pour 4 essais. Ouais, bah, il en manque 2, mais maintenant, ils peuvent se concentrer là-dessus. Ah, ils ont 26 points d'avance. Ouais, mais bon. Ça peut jouer. Direct. Ouais, ils sont vraiment pas bons. Nul lâcher. Nul lâcher les Australiens, c'est peu ce qu'on connaissait. Hein. Attends, on les reconnaît pas. Arrêtez de jouer là. Arrêtez là, sur les avant, sur les côtés, ils laissent à chaque fois des trous. Énorme. Hop. Et ça passe entre les terres. Les Australiens sont dépités, il reste 10 minutes à jouer. Ils se barrent déjà tous dans les tribunes. Comment tu ne vois pas où c'est lui?
Le clapping. Ah, ça devient grave. Oh là là. Ouais, ça devient grave, nos amis australiens là. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Victoire du 15 du Poirot, 40 à 6 sur les Wallabies. Le 15 du Poirot, première nation qualifiée pour les quarts de finale en attendant et en espérant nos bleus. Voilà, l'Australie est presque à la maison et presque éliminée. On a vu un Eddie Jones dépité ce soir, tout comme ses supporters qui ont quitté 10 minutes avant le coup de sifflet final, les travées du Groupama Stadium. Eddie, go to the house. En français, ça veut dire Eddie, rentre à la maison. Voilà, allez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kishet Pali, à la prochaine. Salut, ciao, bye bye.